Hello, hello! Bonjour tout le monde, bonjour mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien, que tout avance pour vous comme vous le souhaitez et que vous faites ce qu'il faut pour arriver à réaliser vos désirs. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour tout simplement une guidance pour le mois de juillet 2019. Alors, comme d'habitude, vous pouvez utiliser cette guidance et ces informations, s'il s'agit, pardon, de votre signe ascendant ou lunaire. Alors, ce sont des énergies générales, je tiens à le préciser, donc je vais vraiment parler d'une manière symbolique. Justement, j'ai pris le tarot de Marseille, qui est très très symbolique, mais très riche aussi. Et voilà, je vais pas tout le temps essayer de faire la conversion. Est-ce que, par exemple, un projet, ça concerne le relationnel, est-ce que ça concerne, pardon, le professionnel? Je vais sûrement parler de projet, enfin bon, on va voir, mais on verra déjà ce qui ressort. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que ce sont des symboliques, et je vais faire exprès de parler très symboliquement pour que vous puissiez prendre comment ça fait écho pour vous. Donc, centrez-vous sur la résonance des mots et non pas sur les mots tels qu'ils viennent. En fait, quelque part, il n'y a pas à réfléchir normalement, juste à ressentir les choses et les associations se font toutes seules. Si vous désirez approfondir certains sujets de votre vie, que vous avez besoin de réponses en ce moment, et que ce tirage peut-être ne vous aide pas davantage dans votre situation, je propose des consultations privées, des guidances personnalisées. Et donc, si vous le souhaitez, vous trouverez toutes les informations pour me contacter directement en bas de cette chaîne, en bas de cette vidéo ou sur ma chaîne. Alors, ok. On va commencer maintenant l'interprétation du tirage. Donc, les deux premières cartes, elles vont vous correspondre, c'est-à-dire elles vous représentent vous directement, quelle énergie vous traversez, dans quelle énergie vous êtes, et aussi la situation que vous traversez. Alors, on est sur le 4 de coupe, accompagné du roi de denier. Ok. Alors déjà, on peut vraiment parler d'une certaine stabilité, hein, puisque là, on est sur le 4, le chiffre 4 qui représente la stabilité, et on est sur un roi qui est aussi très représentatif de justement la stabilité, et encore plus le roi de denier. Le roi de denier qui correspond aux énergies justement matérielles, professionnelles, mais aussi dans votre foyer, dans votre bien-être, dans la gestion des affaires. Il y a une stabilité, il y a une certaine, comment dire. Pour moi, l'énergie principale, c'est ça. Une relation, une, pardon, oui, une situation stable, relationnelle, que ce soit relationnellement ou dans le concret aussi par rapport à votre travail, enfin. J'ai le sentiment que là, ça représente à la fois, ça peut représenter en fait votre le domaine professionnel et le domaine sentimental, puisque avec ce 4 de coupe ici qui vous représente directement, elle symbolise cette arcane, une sorte d'harmonie, une sorte d'harmonie et de stabilité avec la personne qui partage votre vie, par exemple. Pour les célibataires, le 4 de coupe va indiquer que toutes vos relations avec l'extérieur, amicales, familiales, vous voyez, avec qui il y a un partage et des sentiments, ça se passe au beau fixe, si vous voulez, c'est vraiment c'est fluide, il y a du partage, justement, il y a de l'échange. Et pour certains, juste parfois, cette carte peut parler d'une rencontre significative, importante, qui intervient dans la sphère relationnelle. Mais on serait donc sur un début. C'est comme si c'était assez neuf pour vous. Si ça résonne pour vous. Donc, ouais, je ressens surtout une énergie générale, hein, une stabilité dans votre foyer, dans vos finances aussi. La situation un peu est sous contrôle. Hein? Avec le roi de denier, là, c'est ce que j'entends. La situation est sous contrôle pour vous et vous gérez ça un peu, non pas d'une main de fer, mais d'une main de maître.
Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez là, ce que je vois sur le roi de denier, c'est que, oui, il a une bonne situation, il est déjà roi, hein, donc il a une bonne situation, mais il est quand même intéressé par quelque chose qui est l'extérieur. Il regarde autre chose. Peut-être il y a un autre projet. Peut-être que vous voulez plus une augmentation, donc dans la sphère professionnelle, il y a la volonté d'autre chose aussi, hein. Comme si, oui, vous êtes bien aujourd'hui dans votre, que ce soit dans votre couple ou dans votre travail, peut-être, mais il y a la volonté d'obtenir autre chose dans le concret, dans la matière. On n'est pas sur quelque chose de spirituel que vous attendez. Enfin, peut-être, hein. Aussi, je veux dire. Mais là, avec ce roi de denier, c'est surtout autre chose qui se matérialise dans votre vie. Alors, on va découvrir ici les influences actuelles sur vous. Quel état d'esprit peut-être qui vous influence actuellement? Donc, on est sur l'énergie de la papesse. Et la papesse, ici, elle va nous parler du fait que vous êtes en train justement d'analyser quelque chose, d'essayer de comprendre quelque chose, parfois avec la papesse sur une énergie d'apprentissage, parce qu'elle tient un livre ouvert notamment. Donc, comme si vous... Oui, je sens que il y a quelque chose d'autre, elle peut résonner avec celle-ci, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous motive, peut-être un nouveau projet ou comme je vous disais, concrétiser quelque chose dans votre vie. Et c'est en tout cas, la papesse, elle va nous dire que vous réfléchissez beaucoup, hein. Il y a quelque chose mais qui peut vous obséder un peu mentalement. La papesse, elle incarne la patience aussi, hein. La patience et la retenue, donc. Je sens que vous ne cherchez pas non plus à précipiter les choses. C'est plutôt une énergie lente. Donc comme si... Oui, comme si vous aviez quelque chose d'autre en tête, quelque chose que vous voulez réaliser, mais actuellement, vous serez influencé, en tout cas ce mois-ci, par justement... Bien comprendre, aller au fond des choses, hein. La papesse, c'est aussi ça, c'est vraiment analyser une situation en profondeur. Alors, on va découvrir votre passé récent ici, votre passé récent qui pourra donc indiquer le mois de juin. On est sur la meilleure carte du jeu. Je le dis toujours parce que c'est important de le signaler, le monde. Le monde, écoutez, ça signifie que apparemment au mois de juin ou très récemment, vous avez connu une sorte de succès, peut-être même au-delà de vos espérances. Vous avez baigné dans l'harmonie aussi, avec une sorte de paix intérieure. Aussi bien que ce soit dans votre vie de couple que dans votre travail, on le retrouve après, hein, d'ailleurs, dans le présent. Ça peut être une amélioration financière aussi, hein, que vous avez connue. C'est une amélioration, un bien-être, de toute façon, cette carte. Une amélioration, un bien-être, un épanouissement, une sorte d'épanouissement personnel aussi. Je sens que les regards ont été tournés vers vous. Vous étiez peut-être au centre des attentions, au centre des projets. En tout cas, cette carte 21, c'est la fin des arcanes majeurs. Donc, ça parle vraiment d'un accomplissement et d'une concrétisation pour vous, que vous avez connu dans le passé. Bon, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans le présent. Donc, le tirage s'est bien déroulé, on va dire. Parce que des fois, il y a des messages qui peuvent être un peu plus compliqués à analyser. Mais là, ça se répond bien. Alors, on va découvrir ici votre avenir à court terme. L'avenir à court terme. Donc c'est le 5 de denier, le court terme c'est à peu près la première quinzaine de mois je dirais. Et bien justement on est encore dans l'énergie du denier et ici cette carte va symboliser, je sens une rentrée peut-être financière, une rentrée financière ou une progression de votre situation matérielle, de vos finances, ça peut être une augmentation de salaire, un nouveau poste justement, c'est possible aussi. Attendez, pardon.
Voilà, les joies du direct. Ouais, je suis un peu malade. Le temps très droyant, c'est pas ça en ce moment. Alors, en tout cas, ça c'est le chiffre 5 aussi. Donc, cette carte indique une progression. Une progression. Et pour vous, cette carte, elle intervient vraiment en positif, une progression positive avec l'ensemble des autres cartes à côté, pour vous indiquer que justement, il y a une sorte de fructification de vos efforts. Donc une amélioration. Une amélioration. Et vous voyez, on était sur la stabilité, avec le chiffre 4 ici, et le roi de denier qui est aussi imprégné de ce chiffre 4 dans son essence, on est sur le 5. Donc il y a une progression, et ça veut dire aussi que justement, on ne se contente pas de ce qu'on a, on va chercher autre chose. On passe au 5, on n'est plus au 4, on passe au 5. Alors, ok, on va regarder maintenant l'état un petit peu actuel de votre problème, qu'est-ce qui peut bloquer ce mois-ci aussi. Alors, le 8 de coupe. Alors, laissez-moi quelques instants pour celle-ci, pour bien que je capte les énergies. Alors, l'état actuel du problème. C'est intéressant parce que dans le tarot de Marseille, le 8 de coupe, ça représente assez souvent une sorte d'harmonie dans les relations, des relations passées. Pardon, placer aussi sous le signe de la passion. Pourquoi j'ai dit relation, hein? Parce que les coupes, on est sur le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, la plupart du temps. Et donc, le fait que ça intervienne peut-être en l'état du problème actuellement, c'est que... oui, il est possible que ce soit votre situation à vous qui ait changé, mais pas forcément celle de votre conjoint. Ça peut créer peut-être une sorte de disharmonie, en fait. Voilà ce que j'entends, moi. Une disharmonie au niveau de vos attentes, au niveau de vos besoins. Ok, on me dit aussi que le... alors, comment vous dire ça? En fait, que ce mois-ci, vous aurez peut-être justement un fort sentiment de possessivité, et donc au niveau des notamment de votre couple, le fait de vraiment vouloir... en fait, je sens deux énergies. Je sens beaucoup de sensibilité à fleur de peau pour vous, donc qui intervient peut-être en problème. Vraiment une sensibilité à fleur de peau et justement une sorte de possessivité, si vous voulez. Une sorte de possessivité. C'est bizarre parce que ouais, cette carte, elle intervient rarement en souci, enfin en tout cas oui, dans l'état actuel des problèmes, quand je fais des tirages aussi avec les gens. C'est une carte, moi, personnellement, que je trouve extrêmement positive, donc c'est difficile, en fait, là, pour moi, de l'interpréter, je vous l'avoue. Donc peut-être je dois juste la prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire que... cette carte manque, enfin, représenterait alors le fait que dans votre relation, donc de couple, ou dans vos relations avec les autres, y a une sorte de discordance, comme ça en fait, voilà, c'est ça, j'ai dit dissonance, je crois, oui, dissonance, une difficulté à se mettre sur la même longueur d'onde. Voilà, je vais faire vraiment plus simple parce que sinon je sens que je vais me perdre dans mes explications. Bon, en plus, il est assez tard ici, il doit être 2 heures et quelques. Donc, ça commence à tirer un peu sur la corde, pour moi. Et peut-être pour vous aussi, voilà. Vous savez, il n'y a pas de hasard si je dis ça. Donc, c'est peut-être que cette carte représente le fait de trop tirer sur la corde au niveau relationnel. Alors, on va découvrir les influences extérieures. Qu'est-ce qui vous influencera extérieurement durant ce mois?
Qu'est-ce qui arrive peut-être pour vous de l'extérieur? On est sur le 4 de bâton. Alors, c'est une très belle carte aussi. Moi, je dis souvent pour cette carte que c'est l'heure de la récolte qui a sonné. Donc, à l'extérieur, pour moi, je sens une sorte de valorisation, valorisation pour vous, reconnaissance par rapport aux efforts, puisque les bâtons, c'est l'énergie de l'action, du feu, des actions qu'on met en place pour arriver à nos objectifs, de nos efforts. Donc, le 4, on est encore sur un 4, tiens, je le remarque là, on est encore sur un 4. Donc, une vraie stabilité et justement, donc, une reconnaissance. Pour moi, c'est surtout ça. Une reconnaissance de tout le travail accompli. Et ça vient de l'extérieur, hein, donc c'est une reconnaissance extérieure. Alors, on va découvrir les influences intérieures. Intérieurement, c'est-à-dire vous avec vous-même, là. Qu'est-ce qui va vous influencer, les énergies que vous avez traversées? On est sur une très très belle énergie encore. L'arcane majeur cette fois-ci, le numéro 7, le chariot. Alors, intérieurement pour vous, en fait, c'est un souffle nouveau pour moi, une sorte d'impulsion qui vous transportera directement en fait vers la réalisation de vos objectifs, que ce soit dans l'affectif ou dans le professionnel, hein. Vous foncerez en fait avec beaucoup de confiance, de détermination. Là aussi, hein, on est sur une sorte d'éloge, vous voyez, enfin de mise en avant, de reconnaissance aussi, hein. Ce personnage n'a pas peur de se montrer, il brille aux yeux de la foule. Donc ça suit bien le 4 de bâton, ça suit bien les énergies qu'on a vues avant. Et vous serez vraiment dans la conquête en fait. Cette carte, c'est la conquête de vos objectifs. Et surtout avec détermination, détermination, affirmation de soi, confiance en soi aussi. On fonce quoi. C'est le seul cavalier dans les 22 majeurs, les arcanes majeurs. Donc c'est une énergie rapide aussi. On fonce, on va droit devant. Attention au passage, je vous le dis petit bémol, de ne pas tout écraser sur votre passage et notamment les autres. Vous voyez, ça peut, voilà, peut-être maintenant on a un peu plus d'éléments pour comprendre cette carte, moi aussi. Le fait, en plus, vous voyez, regardez, là il regarde le chariot, c'est intéressant avec le tarot de Marseille parce que les jeux de regard sont aussi assez importants. Hein. Vous voyez, le roi de denier regarde le sentimental et le chariot regarde le sentimental. Donc, faites attention en fait, voilà, peut-être l'obstacle ou le problème de ne pas tout écraser sur votre passage, hein, parce que le chariot, il y a le mot char dedans aussi, hein, donc un char de guerre, oui, vous êtes comme un char de guerre, vous êtes comme un char de guerre. Ce mois-ci, vous foncez, vous avancez, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais attention avec les autres, dans le relationnel. Au sens large du terme, le mot relationnel. Alors, on va regarder ici vos craintes, vos espoirs, vos rêves, vos peurs, ici. Alors, on est sur le 5, ouais, le 5 d'épée. Justement, en fait, ce 5 d'épée, il vient nous dire que en fait, votre pensée, et votre attitude, elle évolue vraiment vers un idéal. Un idéal, je sens peut-être, on me dit un idéal noble, un idéal noble, un idéal généreux. Donc, vous allez vers la concrétisation, quelque chose pour vous d'important, que vous savez qui est juste et aussi qui améliorera très certainement votre situation concrète, financière, matérielle. Donc, bon, pour d'autres, c'est aussi des avancées hein, qui sont recherchées concrètement dans le relationnel, mais plus au sens de votre foyer. De votre foyer. Donc, de la maison aussi, par exemple. Hein, aussi, vous voyez la maison, des projets comme ça. Des projets d'achat. Mais
Justement, dans les peurs, ça sera peut-être le fait qu'il faudra trouver un terrain d'entente, en fait. Vous savez qu'il faudra trouver un terrain d'entente, peut-être faire des compromis. Là, c'est ça que j'entends avec le chiffre 5, le chiffre 5 donc, représente les changements, les changements d'une manière générale. Et justement, là, il y a des changements que vous voulez se voir concrétiser dans votre vie, mais encore une fois, il faut manager avec les autres, dans la communication. Et ici, peut-être c'est justement ça dont vous avez peur, c'est ce mois-ci de devoir. De devoir parfois combattre, en fait. Combattre avec, d'un point de vue symbolique, hein, donc, avec les autres pour aller vers vos objectifs, pour affirmer vos objectifs, votre pensée aussi, hein. C'est marrant parce que dans cette carte du 5 de d'épée, si vous voulez, je ressens moi vraiment l'aspect social, sociabilité. Là, c'est l'énergie que je suis en train de ressentir. Donc dans la sociabilité avec les autres, et c'est à la fois donc un espoir, un rêve ou un désir pour ce mois-ci, et en même temps une crainte. C'est-à-dire que ben, vous voulez en fait que ça se passe bien, que ça se passe bien avec l'extérieur, que tout ce que vous apportez de nouveau ou tout ce que vous dites soit pris de la bonne manière, et donc vous avez peur justement ben, que ce ne soit pas le cas. Parce que vous, il y a tellement une énergie forte de réussite, de reconnaissance aussi même extérieure, que il est possible, comme je vous dis, hein, que ça fasse pas plaisir à tout le monde, ou que peut-être l'expression de votre joie ça soit tellement intense que ben, malheureusement tout le monde n'est pas dans cette même joie, et parfois ça peut être comment dire, non pas mal perçu, mais vous voyez, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et comme il est tard, je vous laisse interpréter parce que sinon ça va être compliqué. Je vais m'embrouiller. Voilà, bon, pour l'énergie des craintes et des espoirs. Et vous voyez, justement, on est sur une lame rouge qui indique ce côté de passer à l'action, donc dans les épées, donc dans la communication ici, dans la pensée ou dans la communication, mais en l'occurrence je le ressens comme la communication. Et l'épée rouge, hein, donc l'épée rouge, ça veut dire que c'est tranchant, ça veut dire qu'il peut y avoir du sang, donc au niveau, c'est-à-dire des mots, vous voyez comment on peut faire la symbolique, je vais vous montrer. Là je dis qu'il y aura du sang, donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous au niveau de la communication? Ça veut juste dire qu'il peut y avoir des mots durs. Des mots durs, des mots qui blessent. Vous voyez? Voilà ce que cette carte pourra nous dire. Mais ce sont les craintes ou les espoirs. Donc, c'est les projections que vous faites, hein? Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des projections. Parce que rien n'indique vraiment de la discorde pour l'instant. Bon, de toute façon, on arrive à la fin, justement. Donc, quel sera pour vous l'avenir? Ici, on sera sur l'avenir à peu près en fin de mois. Donc ici on était milieu de mois, ici on est sur l'avenir en fin de mois. Ah, c'est intéressant, on retrouve des coupes, c'est sympa pour finir. On est sur le chiffre 7 en plus, très bon chiffre. Pour moi, ça va nous indiquer là que vous serez... vous baignerez en fait dans une certaine... je dirais... Alors moi, le mot qui me vient, c'est aisance, mais c'est au point de vue relationnel. Donc, pour l'appliquer à vous, je sens un partage, en fait. Un partage. Vous voyez, là, on a trois coupes, et au milieu, il y a cette coupe. Donc, il y a peut-être justement un terrain d'entente dans la sphère relationnelle pour vous. Il y a, pour moi, un partage de sentiments, surtout. De sentiments, d'amour en fait, d'amour mais dans le sens global, hein, même pour les amis, pour les autres, parce que c'est le relationnel, pardon, au sens large.
Cette carte, ça pourrait être votre atout majeur, hein. Votre atout majeur pour les liens et les associations que vous pouvez tisser avec les gens autour de vous. Puisque ça indique en fait un partage, vraiment une oui, un partage. Un partage et une union positive qui peut même donner lieu à à quelque chose de nouveau, quoi. À quelque chose de nouveau. Quelque chose dont on prend soin. Donc pour certains, ça résonnera aussi comme ça dans le professionnel. À partir du moment où c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Voilà, écoutez, je regardais si j'avais d'autres énergies, mais je pense que c'est pas mal déjà. Alors j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire pour m'expliquer la manière dont ça fait écho pour vous, en fait, tout ce tirage. Et puis justement, ça me permettra de faire un peu de la lumière aussi et de voir comment ont résonné concrètement les cartes pour vous. Voilà, mes amis les béliers. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.